Salut YouTube, on va jouer à Carrion. Parce que pourquoi pas. Jeu. Parfait. Alors, que se passe... Comment... Quoi? Pourquoi il se passe? Oh, mais il faut que je valide avec Windows Xbox Game Pass de mon cul. Ah là là, oui, jouons, jouons. C'est bien le Game Pass, hein, mais... C'est un peu chiant. Oh, c'est fort. Nous allons baisser le son. Tout de suite. Nous allons mettre 70. Histoire de ne pas mourir. Non, c'est trop peu. 60 pour la musique sera bien aussi. Hein. Hop là, appliqué. Est-ce qu'on peut jouer à la manette? Ma manette n'est pas branchée. Nous allons corriger ça tout de suite. Ah, voilà. Parfait, on peut faire ça. Ok, donc, ben, je sais pas s'il y a des choses à voir là-dedans, mais à mon avis, on est bon. Plein écran marche. Plein écran exclusif, on s'en fout. 5 vertical marche. Gameplay. Langue français. Français. Parce que pourquoi pas. Bah, ça a l'air pas mal cette affaire. Allons-y, nouvelle partie. C'est parti pour la tentacule. Ah, mais non, mais je veux jouer au clé. Ah voilà. Left stick. Oh. Oh. Oh, c'est si fluide. On peut crier. Ils ont peur. C'est amusant. C'est beaucoup plus simple à contrôler que ce que je pensais. Je passe dans les toyaux. Apparemment, c'est une créature amphibie. Alors, visez avec right stick et maintenez. Oh putain, c'est compliqué. Oh là là, oh là là. Ah, c'est un peu chaotique. On va peut-être essayer de jouer au clavier après, hein. Très bien. Très très bien. Est-ce qu'on peut gérer la sensibilité? Eh bien non. Très bien. Oh là là, sensible. C'est sensible, mais c'est drôle. Ah, y'a quelqu'un. Ah, c'est qui maintenant RT pour agripper les humains. Relâcher right stick. Ah, d'accord. Je vous dévore donc. Dans le plus grand des calmes. On peut tout péter. On peut tout péter. D'accord. C'est presque amusant quand même. Allons-y. Ah, c'est horrible, l'animation est trop classe. T'es tant bouffé. Il y en a encore un là en bas. Dévorer des humains pour régénérer de la biomasse. Ah, donc la biomasse, je pense que c'est la barre jaune qui est. Ah, mais vous la voyez pas. Comment se fait-ce? Attendez. Vidéo. Plein écran. Ah, ça va être à cause de ça. Ok, on va essayer autre chose. 1920 par 1080. Appliqué. Ok. Donc là, théoriquement, vous devriez avoir l'image en entier. Là, ça devrait être bon, théoriquement. Voilà. Désolé, les gens. Désolé, YouTube. Ah non, toujours pas. Comment ça se fait? C'est bizarre. C'est très étrange. Très étrange. Ah bah, c'est parce que je suis pas bien mis, c'est tout. Parce que je manque de talent, ça. Est-ce que c'est bon là? Oui, voilà. Donc les 5 traits qu'on voit là-haut, ça doit être la biomasse, je pense. Bonjour, aide-moi à régénérer ma biomasse, toi là, Michel. Oh, c'est tellement sensible. La souris, c'est mieux.
la souris c'est plus simple, j'ai l'impression quand même. Oh, je régénère ma biomasse comme Jaja. Ah bah t'es là toi. Mais voilà, c'est pas si compliqué quand même. Mais viens, viens donc à moi. Il faut que je mange l'ordinateur. Je ne peux pas. Je casse la porte. Se faufiler. Je peux me faufiler. Se faufiler. Oh, un bouton. Bah parfait. Peut-être jouer au clavier plutôt. Hein. À la manette, c'est quand même vachement trop sensible pour avoir quelque chose de correct. Hop, attends. Allez, allons-nous-en. On se fermer, c'est dommage, ça a l'air tellement bien là-bas. À l'extérieur. Pourrais-je un jour atteindre l'extérieur? Répandre biomasse et sauvegarder. C'est dégueulasse. Sauvegarder. Comment ça, je peux pas ouvrir la porte? Ah, je peux sneak in là-dedans aussi. Je sais pas à quoi ça sert, mais on peut essayer. Frontière, zone désertique. Alors, saut contaminé, 100% biomasse perdue, 50%. Très bien. Attendez, j'ai peut-être raté quelque chose par là. Oh, c'est l'extérieur. Oh, c'est tellement bien de sneak in comme ça. Ça marche pas, je peux pas prendre le bois. Je n'ai aucune prise sur le bois. Quel dommage. Mais attends, mais je sais pas par où il faut que j'aille moi du coup. C'est un peu réaliste en même temps du coup. Ok, donc plutôt par en bas si j'ai bien compris. C'est fort quand même, non? Le volume de la musique est toujours très fort, je trouve. Baisse, Michel, baisse. Hop. Ça devrait aller mieux. Je peux pas. Comment ça? Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est trop bien. Se faufiler. Je sneak in. Oh, dans les tuyaux. Bleh. C'est dégoûtant. Décharge militaire. Oi, oi, oi. Allons-y. Oh, y a un mec là en bas. Avec un flingue. Ah donc ils se défendent les gens. Quelle drôle d'idée. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tirer sur tout ce qui ne semble pas être humain. Eh bien d'accord. Je vais dévorer tout ce qui me semble être humain. Voilà. Dégage Michel. Aouh! Heureusement que je peux te dévorer pour me soigner. Hop. Je régénère la bio. Oh, dégueulasse! Je vais moucher ma biomasse et je reviens. Fait. Tout à fait à présent.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Que fais-je? Je peux passer par là maintenant. Eh oui. Ce n'était pas aussi simple que ça. Ah, par là en bas. Ça y est, je vois. Je vois le chemin. Non, viens par là. Je te dévore. Ça change un peu des jeux où on joue toujours les humains là. C'est bien aussi, hein, des fois de faire le monstre. Par contre, avoir une map, ce serait bien. Je capte rien à ce que je fais. C'est un peu chaotique. Hein. Allez là, Michel. Laisse-moi te dévorer goulûment. Heureusement qu'il y a des points de sauvegarde un peu partout, hein, mine de rien. Ok, non, je peux pas encore passer par là. C'est encore clos. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est moi? Ah bah yes. Oh, je peux me faufiler là-dedans aussi. Oh, oh, nouvel ADN absorbé. Projeter une toile d'araignée pour piéger vos victimes ou interagir avec des objets. Eux. Je suis Spider-Man. Oh yes! Ah bah c'est trop bien. Meilleur jeu, hein. Meilleur jeu. Meilleur jeu. C'est acté. Alors j'ai l'impression de tourner en rond un peu. Je vous cache pas. Alors. Par là, c'est là où j'ai appris à faire le truc avec cette toile d'araignée, là. D'accord. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Salut Philippe Pentacle. Oui, c'est un peu ça. Ça fait un peu fou. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est le meilleur jeu. Hein. C'est jouissif de tuer des gens comme ça. C'est vraiment trop bien. Je peux manger les gens. Comme ceci. Voyez plutôt. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu m'emmerdes toi? Viens, je te mange. Mais il est où le mec qui me tire dessus là? Je vais crever avec ces conneries. Hein. Non, je vais régénérer ma biomasse en mangeant des... Ah, il est là, Michel! Michel connard. Y'a encore des gens? Allô? Vous êtes pas accessible, je suis triste. Allez, ça dégage. Une porte, elle s'en va. Qu'est-ce qui crie tout le temps, c'est incroyable. Je suis pas si peur que ça, quand même. Oh non, je peux pas y aller. Quelle déception. Quelle déception. C'est vraiment bien, c'est assez étonnant comme jeu. Mais ça faisait quelques temps que je l'attendais déjà et je ne suis pas déçu. Viens, tu es où? Tu es là? Hop. Ah, un truc s'ouvre. Quelque chose. Ah, vous êtes dans la merde. C'est officiel. Juste que je retrouve le chemin pour y aller. Oh, d'accord, il y a de l'écolocalisation. Tellement bien. Bonjour. Au revoir. Ah, les crevasses de pullulement. C'est ça donc, ok. Donc c'est les endroits où je peux aller sneaking in. Afin de me répandre comme une grosse salissure. Voilà. Dépôt de déchets dangereux.
En tant que gros monstre, ça me plaît. Est-ce que je peux faire un truc là? C'est un bel air évident comme ça. J'ai l'impression que je peux pas encore aller là pour l'instant. Le bois, ça m'a l'air d'être quelque chose d'inaccessible à mes petites tentacules. D'accord. Essayons de trouver les crevasses de pullulement les plus proches. Là, je peux pas aller. On va essayer d'aller par en bas. Mais je crois que c'est par là qu'il faut aller. Ah non. C'était juste pour récupérer ma biomasse. Par là, y'a rien. En même temps, en tant que monstre, j'ai le temps, je veux dire, y'a pas de stress, quoi. La vie de monstre, au final, c'est plutôt zen. Tu vas par là, tu manges des gens, tu fais ta petite route, ta petite vie, quoi. Ah voilà, c'est par là qu'on doit aller. On peut se faufiler ici. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Allons-y. Je vais monter mes accoudoirs. Plus. Très bien. Ah, et bien voilà. Il y avait marqué sécurisé. Plus maintenant. Je pense que mon prochain skill, c'est d'apprendre à casser le bois. Pas des gens à manger. C'est fermé. Il y a du bois. Là, il y a de l'eau. Quelle tristesse. Je me faufile donc. Wow. J'ai été capturé. Wow. Oh, j'ai possédé un gars. Mais c'est trop bien en fait. Attendez, juste reconfigurer les touches parce que bon, forcément on est sur un petit clavier anglais du plaisir. Commande. Humain. Vers la gauche. Q. Vers la droite. D. Grimper. Haut. Tac. Bas. Applique. Retour. Au revoir. Descendons les échelles. C'est trop bien, comment ça se fait que je peux posséder les gens comme ça? Examiner. Ça reste immobile. Il y a un petit drone et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Tirer. Et ça choque personne que Michel y fasse ça? Examiner. Lambeau de mousse antidiluvienne. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Je suis bloqué, c'est ça? D'accord. Eh bien, remontons. Examiner. Lambeau de mousse antidiluvienne. Antédiluvienne. C'est chaud quand même ce mot. Ok, donc on doit aller par là, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait là? Examiner. Magma informe d'os et de chair desséchée. Char de sa chair. Posez le C4. Qu'est-ce qu'il fait Michel avec le C4? Il est complètement con. Mais. Mais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça y est, il est relié au C4. Bim! Ah bah yes! On a fait éclater un truc. Mais comment ça se fait que j'étais... J'ai pu posséder les gens, c'était très étrange quand même. Ah bah ok. Du coup, ça m'ouvre un chemin. Et ben très bien. Merci d'être venu. Hop, barre-nous. Oh, c'est trop bien. Le gameplay est encore plus cool que ce que je pensais à la base. Je pensais juste que c'était un jeu de massacre un peu teubé. En fait, il n'en est rien. Ah, maintenant je peux... Oui, maintenant je peux activer ça avec ma toile. Eh ben yes.
C'est parti. C'est trop bien. Mine d'uranium. Oh là là là. Beaucoup de plaisir à venir. Hein. Est-ce que je te mange? Oui, je pense que je te fais quand même. Allez. Ah, toi t'as une arme toi. Je ne peux pas te laisser vivre. Toi aussi d'ailleurs. Toi aussi. Mais. Non mais. Michel, ça suffit. Il me bouffe ce con là. Mais. Putain mais par contre tu peux pas manger proprement quoi, c'est quelque chose. Hein. Ah mais y'a peut-être des moyens de. De sneaker pour pas arriver. Et salut lecteur, ça va? Pour pas arriver frontalement. Chez les gens. Pour pas te faire tirer dessus. Ça peut être cool ça. Bah allons-y. Sauvegardons. Oui tranquillou, tranquillou. On joue au petit monstre. On est content. Ok, pour l'instant j'ai pas encore accès là-bas. Il faut que je descende. Bien, désolé. Ouais, du monde, hein. On joue au petit monstre, on joue au sous-marin. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans ce... Alors, je dirais pas que c'est des barres de rire, si tu veux. Mais, c'est un gameplay émergent. Allez, ça dégage. Ah oui, j'aurais pu les attaquer par en dessous, en effet, donc il y a un espèce de système de discrétion. T'as une arme, toi? Non. T'as une arme, toi? Oui. T'as une arme, toi? S'en fout. Bon, par contre, je vais pas bouffer tout le monde, hein. Ça prend 3 plombs, mais je crois que ça va foutre. On peut casser les ampoules. Covid. Oh, il y a l'air d'avoir des militaires. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ballot. Mais je peux pas les bouffer? C'est parce qu'ils ont des combis. Des combiants. Je suis un peu déçu du coup, je deviens un tout petit vert. Très peu. Ah, un pouvoir. Un power-up. Et paf. Qu'est-ce que c'est ce power-up? Allons voir. Alors, Xyphoré. Endommager les conduits et les murs en bois, lacérer les ennemis. Eh bah yes. Oh, toute cette vie. La biomasse a augmenté. Lacérer les ennemis donc. Oh. Oh. Oh là là, c'est trop bien. Merci le Xbox Game Pass. Hein. Je peux aller où je veux. Mais je deviens un énorme truc, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ok, donc là je peux pas. Bonsoir. Je pète tout. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je pète tout. Par contre, je suis en train de me traîner une espèce de masse informe derrière, c'est assez compliqué. Je sais pas comment je suis censé vivre ça, mais... Ah mais du coup, je peux plus lancer la toile. J'ai plus que ce pouvoir-là. C'est bizarre.
Et hop. Biomasse. Biomasse. J'aimerais tellement connaître la chanson de Bioman pour pouvoir... chanter ça quoi. Mais non mais laisse ces gens tranquilles. Ok. Où est-ce que je suis censé aller? Ça y est, je suis perdu. Ah non là. Et voilà. Hop. Niveau terminé. Quel talent. Mine d'uranium sécurisé. Plus maintenant. Efficace. Je suis une créature polie, j'ouvre les portes. Aïe! Oula, 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 oula! Compliqué, hein? Ben voilà, tu m'emmerdais, il fallait pas, je veux dire. Pourquoi tu embêtes? Pourquoi tu tires sur une grosse créature comme ça? Barre-toi juste en fait. Ah, ça me déçoit vraiment de pas pouvoir les bouffer. Ouvrons la porte. Mais barrez-vous juste en fait au lieu de rester là comme des cons. Ah, vous étonnez que vous fassiez bouffer quoi. Oh là là, ces humains méritent rien d'autre en fait. Allez. Merci. Ah oui, donc les pouvoirs évoluent en fonction de la quantité de biomasse qu'on a. C'est intéressant. Je me nourris de leur souffrance, exactement. J'adore ces bruits. Ils sont cool. Faut qu'on lui trouve un nom à ce monstre. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme nom? La lacération n'aide pas à enlever les combis. Non, en effet, j'ai remarqué. C'est assez dommage, hein. Moi j'avais une petite dalle. Décharge mini. Mais c'est là où. Pourquoi je suis revenu ici? Ça n'a pas de sens. Je fais des trucs qui n'ont aucun sens. Ok, j'ai dû rater quelque chose. Ah oui, mais c'est là qu'il faut aller. J'ai dû rater un passage. Les wagonnets de mine. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme nom à ce monstre ? Ça m'emmène où ça? Tout est mal. C'est une private jockey. Bob le blob. Ça fera plaisir à un Bob que je connais. Où est-ce que je dois aller? Par contre, on n'a pas prévu qu'on pouvait se perdre. J'aime pas trop ça. Pas très doué quand il s'agit de d'explorer des choses. Ok, ça c'est bon. Et où est-ce que je suis? Où suis-je? Bah en même temps oui, ça manque d'une map, mais c'est plus ou moins cohérent. Je veux dire, le monstre, ça m'étonnerait qu'il ait une carte dans sa poche, quoi, si tu veux. Ok, je reviens là. Je comprends rien. Sauvegardons déjà. Par contre, au niveau fluidité, c'est juste fou. Hein. Comme il se déplace, le machin, c'est dingue. Ok, mine d'uranium. Ok, très bien. Ouais,
puis on va tout péter dans ce cas-là. On verra bien si on peut aller quelque part. Oui, c'est sûr, il devait avoir plus conscience de son environnement, mais... Après, la map, je comprends bien que Michel Monstro, là... Y'a rien par là? C'est étonnant, quand même. Attends. N'a pas été contaminé, il est vivement conseillé à tous les membres encore vivants de l'équipe d'extraction d'uranium de s'y réfugier. Au plus vite, mais où d'ailleurs, j'ai pas vu du coup. C'est un peu décevant. Attention, le dépôt de déchets dangereux. Situé sous la décharge militaire. D'accord. Je suppose que c'est par là qu'il faut que j'aille finalement. Quand on y réfléchit un peu. Oh, je coule! Est-ce que c'est vegan ce jeu d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, je... Ah non, je pensais pouvoir sneaky par là, mais... Apparemment pas. Ah bah oui, il y a par ici, oui c'est vrai. Je me retrouve, ça y est. Ah mais non, mais j'étais déjà là. Oh... Oh... Eh oui, je les reconnais. Des petits tours. Hein. Beaucoup de plaisir de faire des petits tours. Pas de chemin par ici? Non. Puits de mine non protégé dans cette zone. Non mais descends pas Michel. Unité de confinement fermée. Est-ce que j'aurais raté quelque chose? Je suis bête. C'est vrai qu'on peut crier. Crier Aline pour qu'elle revienne. Mais ça fait pas grand chose. Mon but dans ce jeu, c'est de détruire toutes les palissades en bois. Donc on peut pas casser toutes les ampoules aussi, hein. Bon à savoir. Les palissades en bois, là! Je ne peux pas les détruire, quelle déception. Ou alors si je vais par là, peut-être? Essayons d'aller par là pour voir. J'ai si chaud. Oh! Ah mais il disait qu'il y a un truc sous la décharge militaire. Donc si je suis la logique des choses, je devrais pouvoir me glisser par ici. Y a rien là. Ah là, un petit interrupteur. Que j'ai déjà activé apparemment. Ok, donc c'est pas par là. Essayer de repasser au début pour voir. Ah ben voilà. Là on peut aller. Pardon, ça me rend beaucoup trop content ce moment. Hop là. Eh bien, allons-y. Oh. Mais non, y'a personne. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, mais du coup, je peux plus envoyer la toile pour... Donc il y a plusieurs passages possibles en fonction de la quantité de biomasse qu'on va avoir et des différents pouvoirs qui vont évoluer de manière... Hop. On va quand même bouffer tout le monde parce que bon, c'est pour le principe. Hein. Au revoir. Ça y est, c'est Michel Informatique. Pourquoi je pouvais aller là? Il y a quelque chose à faire? À part manger des gens? Claque dans les murs.
Il faudrait que je puisse activer ce levier, mais comment je fais du coup? Réfléchissons. Ah voilà, déposer bi... Ah ok, donc on peut laisser de la biomasse de manière à pouvoir activer un autre pouvoir. Oh, c'est intéressant. Comme ça maintenant je peux de nouveau activer la toile de manière à activer ce levier. Maintenant que c'est ouvert, je vais chercher ma biomasse. Hop, et je suis de nouveau complet. I am complete. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est un gameplay de qualité, hein. C'est dégueulasse, mais c'est sympa. Ah bah ça nous ouvre des portes dans la vie, hein. Ah, il y a les Jean-Mi, là. Les Jean-Mi, je peux pas leur faire grand-chose. Ah, il m'a vu. Jean-Mi m'a vu. Mais, je peux déposer de la biomasse. De manière à me glisser sous Jean-Mi. Merde. Il y a le deuxième Jean-Mi, là. Ah, mais... Oh... Il se lâche au bout d'un moment. Calmer tout de suite, hein. Et je vais reprendre ma biomasse maintenant. Hop. Je vais rentrer dans cette petite porte. Unité de confinement numéro 1. Oh yes. À manger pour Bibi. Allons-y, nouveau pouvoir. Écolocalisation cadavre comestible. Oh là là là, quel plaisir. Ah oui, ça c'était pour passer en dessous pour avoir les soldats d'en haut. Allez, cassons-nous. Maintenant, je peux me barrer par là, si j'ai bien compris. Selon toute logique. Voilà. Je peux atteindre une nouvelle zone. J'aime beaucoup le concept de se faufiler dans ce jeu. Je me faufile. Un petit bain. Ok, je peux pas aller par ici. Peut-être qu'en tirant... Non, je peux pas. Sûrement le prochain pouvoir qui me permettra de faire ça. Oh, je me suis auto-électrocuté. Alors, je peux déposer de la biomasse, ça doit avoir un intérêt, je pense, du coup. Des lasers. Là, je peux passer. Apparemment. Ah. Ok, j'ai pas compris. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui nous arrive? Que cette merde. Oh, ça a explosé. What the fuck? Ah non, je ne veux pas mourir. Ah voilà, je l'ai détruit. Je l'ai éclaté contre un mur et puis c'est bon. C'est plus ça. Oh oui, on peut nouveau posséder Jean-Mi. Tellement de chemin et tellement de trucs à faire. Oh my god. Je vais d'abord aller en haut. Parce qu'apparemment on peut aller en haut. Et que ça s'est ouvert. Où est-ce que ça nous mène? Nulle part. D'accord. Allons posséder Jean-Michel.
C'est vraiment trop classe. Je pense que je peux passer des heures sur ce jeu. Easy. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on a fait sauter un truc par là-bas, je crois. Et bonjour bien sûr à tous les gens qui arrivent. Je vous aime tous. Examinez. Traumatisme crânien violent. Mais c'est qui ces gens en fait? C'est des mecs dans le futur? C'est qui viennent admirer mon travail, mon œuvre? Je ne sais pas. Je vous avoue que tout ne fait pas encore sens pour moi. Il y a des trucs là? Oui. Allons au bout des choses. Parce qu'on dirait un petit peu le complexe où je suis, mais quelques temps après. Il manque une barre au levier, d'accord. Et hop, bien sûr, je leur marche dessus dans les escaliers, sur les échelles, tout va bien. Écrasons les gens. Oh, mais je peux pas aller là. J'ai dû rater quelque chose. Ça ne sert à rien. Y a pas un autre truc que je pouvais examiner? Ah, la porte. Ça reste immobile. Eh bien, merci. Est-ce que je peux tomber? Oh oui, ça fait rien. Pas de dégâts de chute. Parfait. Hop. Hop. Speedrun, hein. Oh. Ah. Ramasser la barre du levier. Et bien voilà. Par contre, barre-toi, hein, je... On pouvait examiner. Je veux examiner. Dépouille calcifiée d'une entité cyclopéenne d'origine inconnue. Ça veut dire que je vais mourir finalement. Ça me déçoit. Ça m'attriste énormément. Tirer. Ouais, il est costaud. Hein. Et manger de la soupe, lui, hein. Ok, donc maintenant j'ai le levier. Il y a un petit drone en plus là. Oh là là. Insérer la barre du levier. Actionner le levier. Tirer. Tirer quoi? Ah, il y a une chaîne. Ah, ça va peut-être ouvrir la porte. Oui, forcément. Putain, mais les deux autres ils foutent rien, hein. C'est impressionnant. Je me tape tout le taf. Oula. Bah allons-y, hein. Collectons des échantillons. Best idée ever, ça. Ou alors c'est ce qui s'est passé avant, en fait, dans l'histoire. C'est comme ça que j'ai été créé. Ils ont récupéré des échantillons dans un endroit chelou. Et soudain, me voilà. Me voici. Déposer biomasse. Bah, je peux pas en déposer, j'en ai plus. Je ne suis plus qu'une boule. Il y a quoi là-haut? Je veux aller voir. Ah, rien. Eh bien, très bien. C'était pas par là. Obvieusement. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je kiffe ce jeu. Bah rien ne te choque là-dedans, toi. Très bien. Tire pas. Ah, bah, viens là. Je vais t'appeler McMorning. Bienvenue, McMorning. Allons voir s'il y a encore d'autres McMorning par là. Ah, oui. Mais tu te noies. Michel McMorning, viens. J'aime pas mon repas trop à queue. Je le digère mal. Ah, ça y est, je peux de nouveau casser les trucs en bois là. Ah. Pour le principe, je vais vous buter. C'est vraiment juste un plaisir personnel et pas de. Rien de. C'est rien contre vous si vous voulez, c'est. Mmh.
fait, il y a un lore à ce jeu, j'aurais jamais cru. Jardin botanique. C'est plutôt joli, hein. Plutôt mignon. Là, pour l'instant, tout est fermé. Tout est clos. Scanner laser en cours, comment ça? Et l'autre, il pensait pouvoir me tirer dessus. C'est naïf. Naïf de ta part. Quelle drôle d'idée. Bon, j'avoue que voir un machin comme ça qui arrive vers sa gueule, c'est quand même... Ça va être sacrément particulier comme feeling, hein. Oh, calme ça. Bon, lui, par contre, il est pas content, hein. Lui, il est vénère, lui, hein. Ok, mais je peux pas le bouffer, en plus. Oh là là. Ils sont chiants, ces soldats, hein. Je digère mal le Kevlar. Ça doit être pour ça. Calmer pour un petit moment. Allons-y. Oh, nice, de la biomasse. Ainsi qu'un point de sauvegarde. Ça, ça a l'air un peu labyrinthique, cet endroit. Je peux pas, pardon. Oh, il me crame le cul. Oh le bâtard. Aïe. Adopter une stratégie différente. Je vais jongler avec cette porte. C'est un échec. Je suis pas là. Je ne suis pas là. Voilà. Bon, voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Contrôle d'identité. Merci beaucoup, bonne journée. Ah, par là. On dirait un chat. Ces animaux liquides qui peuvent se glisser partout. Oh, des drones de merde. Non. Aïe. Oh, il m'a défoncé. Oh, j'ai plus de vie du tout. Ils ont des boucliers et tout. Comment je suis censé faire mon affaire, moi, passer là? Non, laissez-moi. Je ne suis qu'une pauvre créature. Casse ta gueule. Ok. Ah oui. Je peux récupérer ma biomasse, parfait.
Et voilà. Voilà comment se débarrasser des gêneurs. Tu les chopes avec tes tentacules et tu les éclates au sol. Ça me paraît assez cohérent comme stratégie. Aïe! Mais il y a Michel Lanceflamme là de nouveau. Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà. On pourrait se calmer un petit peu hein, quand même. C'est toujours la stratégie de la violence quoi, c'est incroyable. 2020, les gens n'ont plus besoin de ça, hein, je veux dire. C'est incroyable. Comme si j'étais quelqu'un de mauvais, moi. Je fais juste mon taf. Hein. Juste survivre. Hein. C'est la société qui m'a forgé, c'est. Aïe, mais. Pas mort toi. Oh, oh, je crevais. Non, j'ai mort. J'ai mouru. Oh, j'aurais pas cru que quelqu'un arriverait à me tuer un jour. Je suis à la fois déçu et à la fois admiratif de leur travail. Un cap toutefois. Mais bordel de... Mais t'étais pas mort toi? Je ne suis plus qu'une petite larve. Ok. Ouh. Ça va, on peut passer par là. À quoi bon, je ne sais pas, mais on peut. Ah, d'accord, on fait un petit tour. Je ne veux de mal à personne. Je ne suis plus capable de faire de mal. Encore que. Ça va peut-être changer. Photokinésie. Courber les rayons lumineux pour devenir invisible. Really? Oh, c'est trop bien. Ah, du coup, je peux passer les. Oh là 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 là, trop classe. Du coup, je peux passer les lasers. Trop bien. Par contre, toutefois, comment fais-je pour aller par là? Il suffit d'ouvrir la porte. Tout simplement. Hop, je deviens invisible. Ça marche plus, ça marche plus, j'ai plus d'énergie. À l'aide. Ah oui, ça bouffe vite de l'énergie donc. C'est à noter. J'ai redébloqué mon pouvoir. Allons-y vite. Voilà, celui, il me fait un peu chier. Quel ennui. C'est bon, calmé. Merci hein. Incroyable. Pas avoir la paix hein. C'est fou. Il faut que je dépose la biomasse pour pouvoir jeter mon rayon de toile. Hop, je suis de nouveau une petite créature fragile. Hop, allons-y. Allons récupérer ce merveilleux pouvoir. Hop. Comment ça, ça n'a pas marché? Vous voyez, je me trompe de bouton. Quel génie. Ok. On va récupérer notre biomasse du coup, histoire de redevenir un gros strum.
Hop. Non, pas déposer. Il faut que je la mange. Hop. Ah là là, quel plaisir. Mais j'ai pas le pouvoir en fait. Comment ça fait ça? C'est bizarre, non? Il y a un truc que j'ai dû rater du coup. Je sais pas quoi, mais... Retournons voir. Ah mais je l'ai que à certains endroits. Ah, je l'ai que quand je suis petit. D'accord. Très bien. Et donc les tableaux électriques, ça me recharge en énergie. Ok. Eh ben nice. Restons petits alors. Et voilà. Tout simplement. Et hop, je redeviens un steak. Mais vraiment un steak. Hein. Aïe 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 aïe. Dépôt de biomasse en cours. Je deviens invisible. Vite, de l'énergie. Pour pouvoir continuer notre travail de sap, hors plombier. En main. Voilà, maintenant que nous sommes débarrassés des gêneurs, nous allons pouvoir continuer notre aventure. C'est marrant quand même le fait d'avoir certains pouvoirs uniquement sous une forme ou sous l'autre. Hop hop hop. Il a pris ses jambes à son cou? Ok. Et ben nice. Ah, il faut que je dépose la biomasse quelque part, sinon je peux pas passer. Ça c'est gênant. Y a pas un truc quelque part où je peux en laisser? Un bassin? Les fameux bassins à biomasse. Pas évident. On s'y perd. Hein. Ok. Par là. Ah oui, je crois qu'en bas il y avait un bassin là, où je pouvais laisser la moitié de mon corps. Hop, et voilà. Je suis à nouveau petit et fin et soyeux. Et maintenant, je peux devenir invisible. Grâce à la puissance du port du Havre. Et hop, plus de laser. Et hop, on se casse. Au revoir. Oh là là, c'est vraiment très bien. Le gameplay est vraiment très bien imaginé. Très bien imaginé. Et les maps sont assez ouf aussi d'ailleurs. Donc là théoriquement on peut repartir par en haut. Non, 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 non. J'étais aspiré par le Toyo. C'est pas là que je voulais aller. Je peux pas ici, y'a que dalle. Mais on va voir, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où je peux aller? Par là? Ah ouais, je peux aller par là. Ah bah oui, maintenant je peux passer, maintenant que je suis invi. Donc j'ai la possibilité de devenir invi. Est-ce que ça change quelque chose du coup?
Je sais pas. Ah bah oui, du coup ça active pas le robot qui est en bas et qui me tire dessus. Très bien. C'est la même maille que la première fois que t'as lancé Prototype. J'avoue qu'il y a un petit feeling Prototype, tu vois. Où tu joues pas vraiment le méchant, mais... Enfin, là si, pour le coup, mais... Où est-ce que je vais? Non, il faut que je trouve un truc pour ouvrir ces vis, là. Oh, Prototype, il était tellement bien, ce jeu. Ah oh là là. Rien que d'y penser, quel plaisir. Hop, on se glisse par là. On retourne en bas. Il doit y avoir un chemin que j'ai zappé. Apparemment, c'est bien obligatoirement par ici. Hop. Alors maintenant, pourquoi on a le pouvoir de déposer de la masse ici? Je ne sais pas. On peut tirer du coup, mais ça sert à rien. C'est infini. Je suis un peu perdu. Je ne vous le cache pas. Ici c'est fermé. Oh. Yep, caché. Pas du tout. Oh, j'ai chaud. J'ai peut-être raté un truc, je sais pas. Peut-être d'autres chemins qui sont ouverts entre temps. Par là-bas. Est-ce que j'étais déjà ici? Je sais plus. Oh. Oui, j'étais déjà là, il y a des cadavres. Là pareil, j'étais déjà. Là en bas, ça dit quoi? C'est par là que je suis arrivé, je crois. Très bien. Je sais plus du tout. Je suis perdu. Ok, mais là j'étais à l'instant aussi. Ok, donc j'ai appris à devenir invisible. Est-ce qu'il y a un endroit où ça peut me servir? Réfléchissons. Il y a forcément un endroit où j'étais, où j'avais besoin d'être invisible. C'est un peu le concept du Metroidvania après tout. Sauvegarder histoire d'où. Le chemin ici, non. Ça devient compliqué. Ça a déjà une heure de VOD. Oh là là. Fichtre. Je vais peut-être arrêter la vidéo ici, la première. Allez, salut YouTube, à tout à l'heure, hein. On va continuer, on aime bien les tentacules. Des bisous. J'ai pas arrêté la VOD, je suis un con. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Je fais n'impe, sachez-le, j'ai toujours pas arrêté la VOD. Oui, je sais. Laisse-moi arrêter ma VOD, maintenant.